Salut mes petits Chris! Je peux vraiment vous regarder parce que je regarde la route. Ah! Aujourd'hui, on s'en va à une cabane à potes sur une réserve autochtone. Tu sais, les petits dépanneurs qui vendent des cigarettes. Mais depuis la légalisation du cannabis, il y en a beaucoup qui sont transformés en cabanes à potes. Donc au lieu de vendre des cigarettes, ben ils vendent du cannabis. Ben, ce qui paraît, sur la route qu'on s'en va, il y a genre une vingtaine de petits commerces qui vendent du cannabis. Mais ça risque d'être malade. Oh, gars, on arrive là. Gars, bonne chaque, dude! Y'a quoi d'autre? Le roi, gros cannabis, esti, cannabis. Hey, check ça, y'en a partout, là. Cannabis, cannabis. Dude, what the fuck? C'est donc meilleur. Mary Jane, gars, c'est là qu'on s'en va, nous autres. The Green Room. Ça, c'est en rentrant, man. Tu rentres plein de shit de cannabis. Hey, attends une minute. Avant qu'on rentre dans cabane à potes, je te dis qu'il y a une vente en ce moment, Boxing Day, 26 ou 28. 20% de rabais sur tout. Autopodcast.com avec ce code-là, y'a les masques, et ça va mal en tabarnak. Fais l'affaire, on va voir ça. À date, man, t'arrives ici, gros beat qui joue dehors, man. Bob Marley, t'es comme, oh fuck yeah, on va aller s'acheter du weed. Tu le feel, man, tu le feel. Là, parce qu'on a un employé qui est avec nous, qui veut pas se faire filmer, c'est correct, mais là, il nous explique au fur et à mesure. Check ça, Big. Ils vont faire commande à l'auto. Les chars vont passer, man. Ils vont faire l'auto de même. Là, pong ton weed on the go, bro. Ça, c'est hot, là. Hey, tu le vois pas en dessous de mon masque, mais je souris, là. Ok, on va pénétrer. La musique est forte, il faut que je parle fort en tabarnak. Eh hey, non, mais c'est malade. Je sais pas où vous regardez. T'es-tu divisé par ça? Ouais, hein. C'est ta première fois que tu te dévierges aujourd'hui? Première fois, moi c'est Zach. Oh, lui c'est Zach! Ça c'est la section date. Yo, c'est-tu des trucs pour les chiens? Y'a des trucs, filme ça! Y'a des trucs pour les chiens! Ah ouais, ça c'est ça, ça gèle pas le chien là, mais c'est quand même hot en tabarnak là. Ça c'est des trucs pour daber and shit là. Ça y'a pas ça à SQDC dans le fond là, ça c'est vraiment unique. Ah, ici. On fait pas de la publicité, c'est important, on vit une expérience. Hey non mais regarde les pots là, check les pots, check ça quand c'est malade. Hey non mais je capote là, je me sens dans un autre pays, j'en reviens pas. Comment non, tabarnak, impossible que je sois au Québec, proche de Montréal. Hey non mais y'a des brownies là. Oh je pensais que c'était, une chance t'es là. Elle me corrige, je dis des brownies et comme non c'est du hash. Moi je fumais extrêmement de hash à l'époque. Ben non, un nice bout je n'ai pas pris là. Du rhum au cannabis. On dirait que je veux tout acheter. La façon qu'elle m'a expliqué c'est que c'est des roulottes. C'est quatre roulottes back. Et l'été ils font des activités full shit, y'a un restaurant Amir qui est là. T'es malade man. Moi, je reviens ici, c'est sûr. Okay. À date, c'est pas la même expérience que quand je m'en vais à SQDC, je te dis ça de même. Moi, en tout cas, la SQDC à côté de chez nous, il y a tout le temps un sans-abri à côté. Ça, dans le fond, c'est des artistes locaux qui ont fait ça, ok? Parce que là, avec les nouvelles lois du cannabis, ils peuvent plus vendre leurs pipes en vitre parce que les lois, ils l'interdisent, c'est rendu des accessoires pour fumer. Là, ils sont dans marde. Milan Glass World. Zoom, tabarnak. Ils ont des pâtisseries. Ça a l'air tellement taste. Vois-tu la petite huile de pâte, tu le sucre à la crème? Tabarnak, c'est fini les journées où est-ce que tu demandais à grand-maman de te faire des muffins, là? Oh my god! C'est des chips, c'est tout top crunchy. L'original. Là, derrière ces produits-là, là, d'après moi, ils se font des sessions, là, ils se fument des buzz. Puis après ça, ils pensent à des produits, puis ils le font. Ça, j'aime ça. Ça, c'est des artistes. Moi, avec le masque, je le sens, man. Yo! Ça sent bon! Regarde, cette peau-là, on a le même à la maison. On est frères de peau ici. Ça, c'est des choco buds, ok? Ça a l'air d'être des grosses crises de cocotte de weed, mais c'est des Rice Krispies. Ça a l'air tellement bon. Palette de chocolat, du thé. Attends. H. Regarde, la petite bouteille. Regarde, la petite bouteille. Des pré-roulés. Plus besoin de rouler. Pré-roulés. Je me sens escroqué de la SQDC maintenant. Fait qu'on s'est fait à côté par la police. Il y a bien de la police. Là, je sais, vous avez plein de questions sur les cabanes à potes. La question que tout le monde se pose, c'est... C'est une zone grise. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un droit ancestral pour les autochtones, le cannabis. Et c'est de là la zone grise. C'est qu'à la base, c'est supposé être seulement pour les résidents de la réserve. Donc, c'est supposé être fait par les autochtones pour les autochtones. Et c'est de là où ça devient illégal quand du monde comme moi va sur la réserve, achète le cannabis et sort de la réserve. Tu me suis? Faut comprendre aussi qu'à Oka, où est-ce que je suis allé à Kanasetake, ils ont pas de peacemaker. Peacemaker, c'est un peu comme la police. Expliqué, c'est qu'à l'époque, il y avait des peacemakers, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient corrompus. Fait que depuis, il n'y a plus de peacemakers, donc il n'y a plus la police locale. J'ai des produits légalement, je peux pas vous dire comment je les ai eus. Mais c'était perspicace. T'as compris. Le Choco Buds. Donc, c'est un Rice Krispies, mais c'est du weed. Tu peux aussi voir le logo canadien du cannabis. Faut comprendre qu'une bonne partie des produits des cabanes à potes, mais ça vient de l'extérieur du Québec. Mais c'est juste des affaires qui sont vendues, genre en Alberta, man. Et surtout, la personne me dit de pas toutes les essayer aujourd'hui parce que je vais être fucking éclaté. Oh, ça sent bon! Oh my god, bro, ça sent fucking bon! J'ai pris au beurre de peanut. Je vais consommer ça dans mes temps libres, tester ça pour le plaisir. Du cannabis, sentir son cannabis avant de l'acheter, ça fait toute la différence pour de vrai. Des chips Fritos. Ok, Big, c'est vraiment une chip. C'est des chips!
Gros, ça goûte juste les chips. Nice. J'ai pris une. Du rhum au cannabis, la personne me dit, prends deux shots, t'es high. Fait que ça, j'ai extrêmement hâte de l'essayer. Tablettes de chocolat sont séparées par force. Tu vas savoir la force que tu vas prendre, il va vraiment avoir une inscription. Des Sour Patch, des jujubes, la gang. Hey, gros merci, la Green Room, tabarnak. Un pré. Oh my god. Check-moi le kiff là-dessus, big. Pour la Green Room, je tiens à le dire, c'était une vidéo éducative au niveau de ma curiosité sur les cabanes à potes. Ah, parce que légalement, je peux pas. J'ai jamais été là, t'es un fantôme. Une illusion, le montage, tout le long. Hey gars, The Green Room, j'étais dans un green screen. Tout le long, c'est pas vrai ce que t'as vu. Gros merci à l'équipe et au propriétaire du Green Room qui m'a laissé aller filmer dans l'établissement. Évidemment, on n'a pas filmé les employés, on n'a pas filmé les clients. So sad. Je veux vous faire comprendre que c'est pas toutes les cabanes à potes qui sont pareilles. C'est un petit peu ce que j'ai aimé. J'ai été visiter une autre cabane à potes. On l'a pas enregistré celle-là. J'ai vraiment été moi pour voir. Elle ressemblait beaucoup plus à la SQDC. Tous les produits étaient derrière des vitres. C'était plus épuré. C'est un peu ça que je trouve qui est hot de ce genre de commerce-là, c'est que tu vois la personnalité derrière le commerce. J'ai pas le droit de vous dire allez-y. Fumez de façon responsable, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la. Hein, va checker sur Instagram et va regarder la Green Room sur Instagram. Je leur dis un Chris de gros merci. Puis moi, pendant ce temps-là, je me prépare parce que dans 2-3 jours, il y a une manifestation anti-masque.